J'avais dit tout à l'heure que le droit de la famille est d'abord un droit international, ensuite c'est un droit conventionnel, et enfin c'est un droit national. Tout naturellement, quand on va devant un juge, on pense que c'est le juge français qui est compétent lorsqu'il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément étranger. Je vais essayer d'illustrer mon propos à travers un cas pratique. Vous avez par exemple l'exemple de deux Marocains qui n'ont pas la nationalité française mais qui vivent avec leur enfant ici. Donc, le mari et l'épouse décident de divorcer. Dans ce cas de figure, comment on peut procéder? C'est très simple. Il y a deux possibilités. Soit effectivement, dans la mesure où ils sont de nationalité marocaine, ils peuvent parfaitement retourner dans leur pays et saisir une juridiction compétente là-bas sur place pour prononcer le divorce. Soit, parce que le droit de la famille française est un droit conventionnel, et parce qu'entre le Maroc et la France, il existe des conventions, notamment la convention que j'ai citée tout à l'heure, cette convention permet exceptionnellement au juge français de se saisir de la compétence du juge marocain pour prononcer le divorce de ces personnes sur le fondement du droit marocain. C'est-à-dire que matériellement et territorialement, ce juge peut parfaitement divorcer un couple de Marocains ici, à la seule condition que la décision ne soit pas prise suivant les dispositions du code civil français. C'est-à-dire que le juge français va dire « Moi, juge français, la convention de 1981 me donne la compétence pour divorcer monsieur X de madame Y suivant les dispositions du code civil, le code du statut personnel marocain. » À charge, par la suite, pour ses époux, lorsque la décision du juge français est prononcée, de procéder à ce qu'on appelle l'exéquature de cette décision, c'est-à-dire rendre la décision qui a été rendue en France applicable au Maroc. Le juge marocain ne s'opposera jamais, parce que le juge français est compétent, parce que la convention bilatérale le lui permet, et parce que la décision a été prise en tenant compte des seules dispositions du code de statut personnel marocain. Parce que si jamais, dans le cas contraire, ces personnes saisissent le juge français pour prononcer le divorce entre elles, et si, effectivement, le juge français décide de le faire sur le fondement du droit français, ce serait impossible, par la suite, le juge, quoi qu'il en soit, si jamais on prononce le divorce sur les dispositions du code français, le divorce sera valable ici. Mais il ne le sera jamais là-bas, dans le pays d'origine. Pour une raison très simple, parce que le juge français va opposer l'ordre public religieux marocain à la décision qui a été prononcée sur un fondement juridique qui n'est pas le sien. Ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est de comprendre un premier point. C'est un mariage consommé religieusement en France, équivaut à une union de fait sur le plan juridique. C'est-à-dire que c'est exactement un concubinage d'un point de vue juridique, en droit français. Il ne peut pas prétendre à la qualité effectivement d'un mariage consommé d'un point de vue juridique suivant, par exemple, la célébration d'un mariage, mariage civil. Par ailleurs, il y a un autre élément qui me semble très important. C'est que, en droit pénal, le fait de consommer ou de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil est constitutif d'une infraction au regard du code pénal. Donc il y a deux éléments que les gens ignorent totalement et qui peuvent avoir des incidences très importantes. Parce que si jamais, effectivement, le procureur de la République constate qu'il y a des mariages religieux qui se font dans des mosquées ou ailleurs, c'est une atteinte à l'ordre public qui peut effectivement entraîner des sanctions sur le plan pénal. Alors, je serais tenté à dire que même le code pénal prévoit que, d'abord, pour les gens qui vivent ici,
et qui sont peut-être de confession musulmane ou étrangers, la façon dont il faut procéder dans ces cas de figure, c'est bien évidemment célébrer un mariage civil, suivant les codes ou les lois françaises, et par la suite, personne ne vous empêchera, bien évidemment, on empêchera à ces personnes de célébrer un mariage religieux. Mais malheureusement, ce qui arrive, généralement, c'est le contraire. Je pense que si un jour les parquets de France saisissent très sérieusement de ce problème, je pense que beaucoup de personnes se retrouveront en difficulté. Et je dirais plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, si ces gens se marient d'un point de vue religieux, ils ne réalisent ou n'effectuent jamais une célébration civile du mariage, quand on arrivera devant le juge aux affaires familiales, qui va effectivement statuer sur le sort des enfants, finalement, s'il y en a. Parce que s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas nécessité d'aller dans ce cas de figure devant le juge, parce qu'il n'y a pas de contrat de mariage, c'est des concubins, ils peuvent se séparer quand ça leur semble bon, en fait, finalement. Donc, si jamais il y a des enfants, c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement prétendre aller devant le juge aux affaires familiales pour statuer sur les conséquences. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, un mariage religieux équivaut à un concubinage d'un point de vue juridique, et qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales. En présence des enfants, le juge peut parfaitement trancher les droits de chacun. C'est comme ça que ça se présente concrètement. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans l'absolu, ce qui sera judicieux de faire, c'est de célébrer civilement le mariage, et par la suite, de le faire suivre d'une célébration religieuse. Ce n'est que comme ça que le mariage peut avoir... où les mariés ou les époux peuvent prétendre un statut sur le plan juridique. Parce que je dirais encore plus loin, si jamais les concubins achètent, par exemple, un bien en commun, un bien immobilier, le concubinage reste néanmoins une institution très fragile, qui ne garantit pas forcément tous les droits. Alors que si on est marié et si on a choisi un régime quelconque, on peut effectivement préserver ses droits sur ce plan-là. Je dirais que, par exemple, dans le cas des figures que je citais, notamment un mariage religieux, qui, d'un point de vue de droit, équivaut à un concubinage, si les époux, plutôt les concubins, si je peux les appeler ainsi, achètent un bien immobilier, celui qui est lésé ne peut prétendre à ses droits que sur le fondement de ce qu'on appelle l'action de in rem verso, à savoir l'enrichissement sans cause. C'est-à-dire... il va pouvoir démontrer au juge que son appauvrissement provient forcément de l'enrichissement de l'autre. Alors que si on fait les choses dans les règles de l'art, à travers une célébration civile, corrélée par une célébration religieuse, à ce moment-là, on peut effectivement avoir une certaine sécurité sur le plan juridique. Après, en ce qui concerne les mariages mixtes, bien évidemment, il faut qu'on se mette d'accord. Mariage mixte veut dire forcément peut-être deux musulmans, dont un la nationalité algérienne et l'autre la nationalité franco-algérienne ou franco-marocaine. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure ou pas? De manière générale. Français musulman. C'est-à-dire, vous me parlez par exemple d'un Français musulman qui décide de se marier au Maroc, ou d'une Marocaine, d'une Franco-Marocaine qui décide de se marier avec un Marocain. On est dans ces cas de figure. Parce que si vous me parlez de la question de la transcription des mariages, oui, il y a des modalités. Il y a des modalités pour le faire. Quand la personne habite là-bas et quand l'époux... Avant, la personne se déplace, par exemple, au Maroc ou en Algérie pour effectivement célébrer un mariage religieux, l'acte est authentifié. Et à ce moment-là, on procède à sa traduction, c'est très simple. Et avec cet acte traduit, on se présente au consulat de France. Il y en a plusieurs, hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie,
Et on remplit un certain nombre de formulaires et on fournit un certain nombre de pièces. C'est une procédure très simplifiée et qui permet par la suite de rendre le mariage qui a été prononcé au Maroc, en Algérie ou ailleurs, valable ici sur le sol français. Et c'est à partir de là, par exemple, qu'on peut procéder effectivement à l'étape supérieure, à savoir celle de faire venir son conjoint sur le sol français. C'est des procédures qui existent depuis très très longtemps, qui ont tendance à être simplifiées aujourd'hui et qui ne posent aucune difficulté. Ça peut poser un problème dans le cas contraire, quand il s'agit de divorcer. Et quand il s'agit de se marier, c'est des procédures qui sont simplifiées. Non, mais effectivement, on a tendance à parler des droits et on ignore complètement les devoirs. Mais ça, c'est un problème de citoyenneté, en fait. Et ça ne concerne pas forcément les enfants, ça concerne malheureusement même les adultes. On a toujours tendance à faire prévaloir les droits dont on dispose et on ignore complètement quand on est citoyen. On a certaines obligations qu'il faut également respecter. Après, la question des droits et des devoirs des enfants, c'est quelque chose d'assez crucial. J'ai parlé tout à l'heure de la juridiction des enfants, et je peux très sincèrement vous dire que de par mon expérience, des fois je suis confronté à des situations qui sont très difficiles. Très difficiles dans la mesure où on a affaire à des enfants qui ne respectent plus rien. À commencer par les parents, les avocats et les magistrats. Je ne vais pas m'étaler, mais je peux vous dire que des fois, on entend des choses horribles, horribles. Et ça laisse effectivement penser que la notion de devoir est totalement absente chez certains enfants. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que ce n'est pas le fait que cette notion soit absente chez l'enfant, parce que l'enfant restera toujours un enfant. La question qui m'interpelle aujourd'hui est de savoir... quel est le rôle des parents? Et c'est cette interrogation qu'il faut se poser. C'est-à-dire, c'est aux parents de poser les règles. La société a fixé un certain nombre de règles. Les parents sont dans l'obligation d'inculquer ces valeurs à ces enfants, à savoir leur garantir leurs droits, mais aussi les soumettre à certaines obligations. Et c'est toute la question de l'éducation. C'est pour ça que je me réjouis du travail qui se fait dans le cadre du CREF, parce que sur le plan de la citoyenneté, c'est un travail qui me semble fondamental. Fondamental parce que ça permet à ces enfants de comprendre que la vie en société repose sur des droits et sur des devoirs. Le problème, à mon sens, concerne plutôt l'éducation des enfants. Parce que si effectivement on arrive à encadrer ces enfants, alors, inculquer l'ensemble de ces valeurs, je pense que le problème ne se posera jamais. Toujours devant le juge des enfants, des fois, on est confronté à des situations et on est très content. Parce qu'on a affaire à des enfants qui sont respectueux, qui, à l'égard des enfants, des juges, des différents intervenants. Malheureusement, des fois, ce n'est pas le cas. Et c'est souvent le cas. Et je pense que, essentiellement, ce n'est pas un problème de droit ou de devoir, c'est un problème d'éducation. L'éducation, c'est un acte de tous les jours. C'est quelque chose qui s'inculque tous les jours. Si la famille est défaillante sur ce plan-là, forcément, les enfants feront avec ce qu'ils ont. La dépénalisation de l'adultère, j'avais évoqué tout à l'heure... cette question en disant que dans le cadre du rapport entre le droit de la famille et la morale, et j'avais précisé que parmi les obligations morales dans le cadre du couple, c'est ne pas de commettre cette infraction qui est moralement répréhensible et même par la suite pénalement répréhensible. L'adultère a fait l'objet de dispositions dans le cadre du code pénal. Et même, vous savez, dans le cadre des procédures de divorce, notamment une procédure particulière, à savoir la procédure de divorce pour faute, on avait la possibilité, l'avocat, de faire valoir effectivement l'adultère comme argument pour
demander à ce que le juge prononce le divorce sur ce fondement. On peut parfaitement dresser, à travers ou par l'intermédiaire de détectives privés, ce qu'on appelle des constats d'adultère, qui établissent matériellement que l'époux ou l'épouse a commis cet acte moral et pénal répréhensible. À travers ça, on arrive à obtenir des résultats très intéressants. Dans le cadre du divorce pour faute, ce qui permet à l'époux ou à l'épouse qui est en demande de faire valoir des dommages et intérêts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La dépénalisation est consommée, si j'ose dire. Il n'y a plus de texte qui prévoit effectivement aujourd'hui des dispositions en ce qui concerne l'adultère. C'est-à-dire que vous êtes marié, si votre époux ou votre épouse a des relations hors le mariage, sur le plan pénal, on ne peut rien faire valoir. C'est ce que j'ai entendu par des pénalisations de l'adultère. Alors, et vous, c'est une question totalement privée, mais en tant que juriste, ce qui m'interpelle, c'est les conséquences juridiques de ce mariage. Moi, je respecte parfaitement cette conception. On peut effectivement se marier dans un cadre strictement privé. Mais si, à travers ce mariage religieux, on peut effectivement prétendre à certains droits au sein de la société française, il faut ou il va falloir les démontrer. Toute la question est de comprendre et de savoir ce que l'on veut. Je sais qu'en France, en Belgique et ailleurs, il y a beaucoup de mariages religieux, il y a beaucoup de gens ou de personnes qui sont mariées et qui n'ont jamais célébré civilement le mariage. Après, ça, c'est des choix de vie. Mais sur le plan juridique, ils sont considérés comme des concubins. Les lois, elles sont édictées par le pouvoir législatif, elles sont mises en application par le pouvoir exécutif, elles sont contrôlées par le pouvoir judiciaire. En France, on considère aujourd'hui que si on veut se marier, il va falloir, ou plutôt faire valoir la cérémonie civile. C'est ce qui est prévu par le Code civil. La question de savoir pourquoi donner une importance quelque part à cette célébration civile et non pas à la célébration religieuse, à la cérémonie religieuse, ça, c'est des questions qui relèvent de l'ordre public français. La France a décidé que ce soit ainsi. Donc, nous, juristes, praticiens de droit, on ne fait que respecter ces dispositions. À travers mon propos tout à l'heure, je pense que j'ai évoqué très brièvement la question des droits et du devoir, mais sachez-le, le Code civil français comporte toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les rapports entre les parents et les enfants, il y a bien évidemment des droits. Il y a des droits de telle sorte à ce que, quand on se rapproche d'un juge pour trancher un litige sur le plan familial, par exemple, le juge statue sur le divorce, dans un premier temps, les conséquences du divorce à l'égard des parents, c'est la question des droits et des devoirs, les devoirs de secours, notamment, mais il se prononce également en ce qui concerne les mesures concernant les enfants. C'est-à-dire que l'une des obligations principales en matière, en ce qui concerne le rapport entre les rapports entre les parents et les enfants, c'est l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui permettent aux parents de prendre toutes les décisions qui concernent la vie de l'enfant, sa religion, son éducation, sa santé, sa scolarité. Et j'avais, à la fin de mon exposé, listé 3 ou 4 infractions qui précisent que si jamais on ne respecte pas effectivement cette autorité parentale et ses droits et ses devoirs, on peut parfaitement se retrouver en porte-à-faux avec la loi pénale, ce qui peut effectivement amener à des sanctions. Dans le cas des devoirs, des enfants vis-à-vis des parents, c'est la même chose.
Le code civil comporte certaines dispositions en rapport avec ça. J'ai noté tout à l'heure le devoir d'honneur et de loyauté envers les parents. Il y a une obligation alimentaire des descendants envers les ascendants, c'est-à-dire que si aujourd'hui les parents, les enfants abandonnent leurs parents, les parents peuvent parfaitement saisir les affaires familiales pour condamner ses parents, ses enfants à verser par exemple une pension alimentaire. Voilà. Donc il y a effectivement dans le cadre civil, le code civil français, beaucoup de dispositions qui sont en lien avec les droits et les devoirs des parents envers les enfants et des enfants envers les parents. Alors, dans ce cas de figure, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle de principe, c'est l'article 309 du Code civil, qui prévoit que lorsque les mariages sont célébrés en France, la compétence territoriale, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, est matérielle, et celle du juge français. C'est-à-dire que ce juge peut, dans le cas de ce qu'on appelle une requête par consentement mutuel, prononcer le divorce entre ses époux sur le fondement du droit français. Se pose la question de savoir quel est le sort de cette décision vis-à-vis de l'époux marocain. C'est ça. À la limite de divorcer, on restait là, et la décision aura force exécutoire sur le sol français, et puis il n'y aura pas de souci. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'époux veut se remarier par la suite, et probablement au Maroc. C'est ça la question. Si on se retrouve dans ce cas de figure, forcément, il faut revoir les choses. La règle de principe, c'est celle que j'ai indiquée tout à l'heure, à savoir l'article 309 du Code civil français. Mais, depuis un moment, il y a une directive communautaire qui est entrée en vigueur, et qui permet aux juges, aux partis, aux époux, de faire le choix de la législation applicable au divorce. Avant, l'article qui a, en fait, la disposition qui a accordé aux juges français la compétence matérielle et territoriale en matière de divorce était une disposition d'ordre public, c'est-à-dire on ne peut pas lui échapper à cette règle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette disposition n'est plus d'ordre public. C'est-à-dire que les époux peuvent aujourd'hui choisir l'application d'un autre droit autre que celui qui a été appliqué à leur mariage. C'est-à-dire, un couple, un Marocain, une Française, mariés suivant le droit français, s'ils veulent divorcer suivant le droit marocain par la suite, c'est possible. C'est-à-dire, il faut établir un projet de requête dans lequel on précise qu'en vertu de la directive communautaire de 2004, ces époux souhaitent aujourd'hui appliquer à leur divorce les dispositions du code marocain, en l'occurrence l'article 114 du code de statut personnel. Ils peuvent même, s'ils souhaitent aujourd'hui faire application d'un autre droit autre que celui de leur nationalité, ils peuvent parfaitement le faire. S'ils veulent divorcer suivant le droit brésilien, c'est leur problème. Et cette possibilité existe depuis quelque temps. Donc la question qui se pose en principe, c'est le juge français qui tranche matériellement et territorialement suivant le droit français. Mais si jamais les parties sont d'accord pour prononcer le divorce sur un autre fondement, c'est possible. Par exemple, si l'époux, en accord avec cette dame, ou son épouse, souhaite divorcer sur le fondement du droit marocain, ce qui va lui permettre, par la suite, de procéder à l'exécution de la décision rendue en France sur le sol marocain, et si jamais il souhaite par la suite se remarier, ça sera plus facile. Donc, le juge français peut parfaitement, à la demande des parties, rendre une décision dans laquelle il va dire « Moi, juge français, en vertu de la Convention franco-marocaine de 1981, je décide, à la demande des parties, de les divorcer, d'écarter l'application du droit français, d'appliquer le droit marocain entre ses époux. La décision aura force exécutoire en France et en Maroc. » On est dans la situation où cette femme se retrouve avec un enfant et il y a un parent qui s'est complètement désengagé.
J'ai parlé tout à l'heure de l'impact des sciences biomédicales sur le droit de la famille. Il n'y a pas que des aspects positifs négatifs en ce qui concerne les sciences biomédicales, mais je pense que les sciences biomédicales apportent également des réponses appropriées à des situations bien pratiques telles celles qu'on nous présente aujourd'hui. Il existe aujourd'hui des méthodes pour qu'on puisse procéder à ce qu'on appelle la reconnaissance de paternité, c'est-à-dire que, à mon sens, dans ce cas de figure, il n'y aura pas de divorce parce qu'il n'y a pas eu de mariage, ou du moins il y a eu un mariage, mais c'est un acte verbal. Et l'acte verbal, pour le dissoudre, c'est vachement difficile. S'il y avait un acte écrit, on peut parfaitement religieux, on peut parfaitement prétendre à sa dissolution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. S'il y avait un mariage, suivant le droit français, on peut effectivement procéder au divorce. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans cette situation, ce qu'on peut faire effectivement, c'est saisir le juge aux affaires familiales, toujours dans le cadre des unions de fait, parce que cette situation, à mon sens, s'assemble à un concubinage. Et à travers cette saisine, on peut demander au juge aux affaires familiales, parce que forcément on a l'identité de cette personne, du papa, de procéder à ce qu'on appelle une reconnaissance de paternité. Il ne peut pas y échapper. On peut parfaitement, aujourd'hui, et de manière légale, établir la paternité d'un enfant. Et lorsque cette paternité est établie, on peut parfaitement solliciter de droit. Solliciter de droit de telle sorte à ce que cet enfant puisse avoir un nom, porter un nom, un prénom, mais surtout quelques droits, en particulier sur le plan pécuniaire. À part ça, il me semble difficile aujourd'hui de parler de divorce dans ce cas de figure, parce qu'il n'y a aucun acte matériel établi à la base pour qu'on puisse y revenir dessus, sur la base d'un divorce. En fait, alors je vous explique une chose, ce n'est pas de son choix. C'est-à-dire que nous, on saisit le juge et le juge oblige. C'est une disposition d'ordre public. C'est-à-dire que même en cas de refus, le procureur de la République peut ordonner, dans le cadre d'un mandat d'amener, à ce que le test soit réalisé. Parce qu'il faut qu'il soit quand même responsable de ses actes. Le principe qui s'impose en la matière, c'est cette responsabilité des parents envers les enfants. Et c'est laissé à l'appréciation de l'épouse. C'est l'épouse, aujourd'hui, ne veut pas solliciter effectivement cette reconnaissance de paternité, c'est sans problème. Mais si jamais elle décide de le faire, c'est légal, c'est possible, ça aboutit à 100%. C'est-à-dire... Ah oui, ça va. Alors, je parle du territoire français, je ne parle pas d'un autre territoire. Voilà. Mais si jamais il est sur le territoire marocain, par exemple, on peut effectivement faire la même démarche parce que ce test a été institutionnalisé. Cette procédure a été institutionnalisée au Maroc notamment, et on peut obtenir des résultats qui sont satisfaisants. Avec le concours de la force publique, on contraint les gens effectivement à se soumettre à ce test-là. Et c'est ça qui permet d'avoir des réponses sur ce plan. Le principe de la territorialité des lois implique un respect de l'ensemble des textes applicables sur le sol français, aussi bien pour les Français que pour les étrangers. Donc il n'y a aucune, il y a un traitement égalitaire sur ce plan. Mais le problème, c'est que même en présence de cet acte, parce qu'il y a des choses auxquelles... Ce n'est pas parce qu'on dispose, en fait, d'un passeport diplomatique qu'on peut se permettre des choses qui sont contraires à la loi française. L'ordre public est là pour protéger tout le monde. Les lois sont là pour préserver les intérêts des uns et des autres. Il n'y a aucun fondement, aucune raison valable aujourd'hui pour que ce monsieur continue à manquer au respect de ses obligations envers son épouse et ses enfants. La saisine du procureur de la République, s'il y a par exemple des actes de maltraitance, de violence, peut aboutir à des procédures sur le plan pénal. Le manquement à des obligations au titre de l'autorité parentale peuvent effectivement atterrir devant le juge aux affaires familiales.